Ok, bonjour et bienvenue. Le Seigneur vous bénisse, you are welcome. Bienvenue ce matin encore. The Lord bless you. Ah. Ok. Bonjour à tout le monde, bonjour à Borel Kamden, bonjour à Mich Govindin, j'espère que je prononce bien. Mich Govindin, Que Dieu vous bénisse, bonne arrivée ce matin. Voilà, partageons la vidéo s'il vous plaît et envoyons des cœurs et des pouces bleus. Hier, je n'ai pas pu être en direct, désolé. Vous savez qu'on est à Douala pour les préparatifs de la grande nuit des flammes ce vendredi. Donc, ce vendredi, par la grâce de Dieu, nous sommes là à Douala pour la grande nuit des flammes. Et les préparatifs sont sérieux parce que Dieu doit amener les habitants de Douala dans une autre dimension de la révélation de sa personne. Vous savez qu'on est en train de faire un travail de fond actuellement. Donc, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Passons la vidéo, passons la vidéo à nos amis, à nos groupes. Partageons plus grand nombre de personnes. Envoyons des cœurs surtout et des pouces bleus pour que ceux qui signalent la vidéo ne puissent pas avoir un impact sur notre direct. Nous attendons nos bien-aimés. Et nous sommes en train de parler des choses très sérieuses. De la grande nuit des flammes à Douala, ici, je suis dans la ville de Douala, c'est ce vendredi, à partir de 21h en Dogbon. Tous ceux qui sont dans la ville de Douala sont invités, quel que soit votre problème, votre cas. Dans tous les cas, vous savez que la main de Dieu agit puissamment au milieu de nous, dans ce ministère. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Et tout ce que l'ennemi est en train de faire contre votre vie, nous allons prier contre cela. La Bible déclare que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc je crois en Jésus-Christ, je crois en sa souveraineté. En tout cas, Dieu est plus compliqué, plus complexe que tout ce que vous pouvez imaginer et penser. Et ce matin encore, je pense que je vais essayer de vous montrer certaines révélations sur le premier cœur des anges. Et puis je vais vous donner quelques conseils pour parler, causer avec votre ange, comprendre. Vous voyez? Garata wa innas pramilau dal falosei. Antumesa filo wa innas pali kalus men aneita wa adarika filis intalias mani chaltei. Seigneur, merci pour cette journée nouvelle. Glorifie ton nom. Glorifie Jésus. Père, garias mani ta udei filias mantalko. Je prie pour tous ceux qui sont connectés ce matin. Seigneur, élève-les dans les dimensions spirituelles les plus profondes. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, sois ma source d'inspiration. Au nom souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous savez, mes amis, vraiment, nous attendons nos frères. Mais je sens l'envie de parler. Je sens l'envie de parler. Donc, dimanche, nous avons un grand service. Un grand service. Dimanche, on a un grand service à partir de 7h30. Vous savez que, à Yaoundé, vous savez que, et dans toutes nos églises, vous savez, bien-aimés, que nous sommes dans le mois du brisement des limitations spirituelles. Que ce soit dans la connaissance, que ce soit sur le plan de la délivrance, Dieu a détruit les limitations dans ta vie, dans ton ministère, dans ton mariage, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes études, dans ta carrière, ton présent, ton futur, etc. Quels sont les domaines de ta vie où tu attends que Dieu brise les limitations? Partage la vidéo à quelqu'un qui est malade. Dieu a brisé les limitations de la maladie, de la pauvreté, des malédictions, etc., etc., etc. Donc, il y a des millions de gens qui recevront leur délivrance à travers ce direct. S'il vous plaît, envoyons les cœurs, je vous en prie, ne sois pas égoïstes. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Le matin, si tu n'as jamais envoyé les cœurs, fais-le pour la première fois. J'ai envie de parler. Et parler des choses qu'on ne parle pas souvent. Des choses que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent.
Vous savez, on peut, voilà pourquoi je parle du brisement des limitations, même en ce qui concerne la connaissance des mystères de Dieu, des mystères profonds de Dieu. Ma prière pour vous, c'est que Dieu vous amène dans les profondeurs de sa connaissance, la révélation de sa personne. C'est très sérieux l'affaire ci-là. Donc dimanche, nous sommes en train de travailler. Chacun avait sa bouteille d'eau. Toutes les familles, chaque famille avait sa bouteille d'eau. Nous allons présenter devant Dieu ce dimanche. Et la gloire de Dieu se manifestera. Sa puissance, sa grâce, sa provision sera notre partage dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Les démonstrations d'esprit et de force. Toutes les familles de Yaoundé sont conviées à la bille. Ça veut dire que si vous êtes une famille qui persévère à Réma, vous êtes dans la ville de Yaoundé, je vous en supplie, le mois s'il ne manquait pas un dimanche. Faites tout. Dieu pourvoira à vos besoins. L'Éternel pourvoira. Il bénira ton grenier, il bénira ta poche, il bénira ton compte bancaire, il bénira tes affaires, tes projets, etc. Et toi, prends toute ta famille ce dimanche, 7h30 à la biche, chacun avec sa bouteille d'eau. Et du côté de Bertois, 7h30, l'eau ointe sera distribuée gratuitement à toute la ville de Bertois. Le reverend Bassama sera présent. Il sera présent et il viendra avec mon manteau. Oui, il ira. Vous savez qu'Élisée, à cet moment, a envoyé Géasi avec son bâton. Il ira là-bas avec un mandat personnel. Et la gloire de Dieu se manifestera dans toute la ville de Bertois. Dieu se manifestera. Envoyons les cœurs, s'il vous plaît. Envoyons les cœurs. Comment causer avec son ange? Comment parler avec son ange? Et je voudrais vous parler ce matin du premier cœur des anges. Parce que vous savez que dans les triades angéliques, il y en a trois. Il y a trois triades. Il y a trois triades. Trois triades. Il y a neuf cœurs angéliques et il y a trois triades. Ça veut dire, quand on parle de trois triades, ça veut dire que les anges sont catégorisés par trois catégories. S'il vous plaît, likons la vidéo, je vous en prie. Likons la vidéo, envoyons. Envoyons parce que ça ne va pas, ça ne va pas encore, ça ne va pas. Et ce que je veux dire aujourd'hui, là, est très sérieux. S'il vous plaît, envoie les pouces bleus. Envoie les pouces bleus. Prophète Élisée, bonjour papa. Je suis votre fils et je suis loyal dans l'écoute de vos vidéos sur Facebook. Portez-moi en prière et priez pour vous-même. Car il y a des gens qui ont pris des armes contre vous, mais ils vont échouer comme leur père Lucifer. Amen. Ça c'est clair. Le Seigneur combat pour nous. Voilà. Donc, comment faire pour entrer en contact avec vous? Ok, d'accord. Donc, bien-aimés, partageons la vidéo, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Et surtout, envoyons les cœurs, likez la vidéo, parce que le nombre de vues ce matin n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout bon. Ça ne reflète même pas l'enseignement que j'ai à donner ce matin. Les réalités mystérieuses, ça c'est les mystères, on va entrer dans... Le mystérieux. On va entrer dans le mystérieux, dans les choses très sérieuses. Donc, envoyons les cœurs. Prenons même 2 minutes pour envoyer juste les cœurs. Envoyons les cœurs, envoyons les cœurs. Envoyons les cœurs, s'il vous plaît. Envoyons les cœurs. J'attends les cœurs. Envoyons les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Voilà, et les pouces bleus pour que la vidéo puisse être partagée. Mettons des likes, likez la vidéo pour que Facebook puisse recommander la plateforme. Vous voyez, c'est en train de monter. Allons-y, 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 allons-y. Les pouces bleus, tout le monde, tout le monde, tout le monde, même mes ennemis ce matin, même toi qui me hais, envoie d'abord, au moins sur ça, entendons-nous. Et si on ne peut pas s'entendre sur d'autres sujets, au moins sur liker et les pouces bleus, entendons-nous ce matin. Donc, s'il vous plaît, les pouces bleus et likons la vidéo. Likons la vidéo, appuyez régulièrement sur les pouces bleus, appuyez tout simplement. Sur le pouce bleu et sur les cœurs. Pouce bleu en bas là, de votre direct là, pouce bleu, cœur. Vous likez tout simplement, régulièrement, régulièrement, comme ça là. Pam, 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 pam. Et puis ça va monter. Parce qu'on doit parler de Dieu. Vous savez, quand on parle de Dieu, Théos. Hotéos. Dieu. Théos. Théos. Qui est Dieu? Et quels sont les mystères du christianisme? Des choses qu'on ne comprend pas, qu'il faut qu'on comprenne absolument parce qu'on est enfant de Dieu. Donc, je vais parler de la première triade angélique. Et j'ai dit, il y a plusieurs familles dans les cieux. Et lors de mon direct précédent, vraiment, si vous êtes enfant de Dieu, vous n'écoutez pas l'enseignement, si vous ne trouvez pas un intérêt dans l'enseignement, si c'est que je ne sais pas quel genre de chrétien vous êtes. Je vous assure. Parce que c'est des choses dont on ne parle jamais.
Presque jamais. Et c'est des mystères que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas. On parle des anges, on ne connaît même pas à quoi ressemblent les anges. Ouais. Et c'est important. Lorsque Dieu nous donne une opportunité comme celle-ci, de parler des affaires de notre royaume, du royaume de notre Père, et des mystères profonds dans ce royaume, on parle loin derrière là-bas. On change un peu de sujet pour parler des sujets qu'on n'aborde pas le plus souvent. Normalement, tu dois envoyer les cœurs en désordre jusqu'à ce que ton doigt fasse mal. Tu dois envoyer des cœurs, envoyer des pouces bleus, liker la vidéo, liker, pour que Facebook soit obligé de recommander la plateforme à d'autres personnes, pour que la visibilité puisse être bonne. Voilà. Quand on te dit triade angélique, mes amis, triade angélique, et tu n'envoies pas de likes. Voilà, continuons s'il vous plaît, continuons les likes. C'est en train de monter, mais ce n'est pas encore suffisant. Continuons les likes. Likeons la vidéo, envoie les cœurs, etc., etc. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Les habitants de Douala sont bénis, nous sommes là. Et du 11 au 14 août, dans le mois prochain, j'ai la Convention internationale de la jeunesse chrétienne. Convention internationale de la jeunesse chrétienne. Convention internationale de la jeunesse chrétienne. Donc, tous les parents dans toute l'étendue du Cameroun envoient leurs enfants à Yaoundé, à la Bible, pendant ces 4 jours. Nous serons en retraite pour libérer la destinée de vos petits-enfants. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus Nazareth. Oh mon Dieu, c'est en train de monter, mais il faut encore faire mieux. On peut faire mieux ce matin. On peut faire mieux. Seigneur, donne-moi la sagesse pour expliquer ces choses compliquées. Dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je vais parler de la première triade angélique. Et après cela, je vais vous dire comment il faut faire pour parler à son ange. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas qu'ils ont des anges qui les accompagnent. D'autres ne savent pas comment entrer en contact avec leur ange. Vous savez, j'étais en train de causer avec quelqu'un un jour. Nous étions en train de causer, on discutait. Et la discussion était sérieuse, elle était profonde. La discussion était très sérieuse. Et puis, à un certain moment, j'ai dit à la personne, mes anges m'attendent. On m'appelle. Il lui a dit, on m'appelle. Et la personne m'a demandé, qui vous appelle? J'ai dit, mes anges. Elle m'a dit, son. J'ai dit, les voilà à la porte. Ils sont deux, ils sont à la porte. Ils m'appellent. Et la personne était étonnée. Et ça ne m'est pas arrivé une fois, deux fois, trois fois. Ça fait que certaines personnes dans mon entourage savent, ont déjà vécu cette expérience où je suis en train de parler avec quelqu'un, on est en train de discuter, on est en train de travailler sur un sujet. Et puis j'ai dit à la personne, mes anges m'appellent, les anges m'appellent, on m'appelle. Et puis la personne me demande comment, j'ai dit, mes anges, ils sont, j'ai dit, les voilà, mais la personne ne voit rien. C'est une réalité en réalité. Donc, les anges sont une réalité spirituelle. On peut entrer en communication avec les anges. Mais comment entrer en communication avec des êtres qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire dont on n'a aucune connaissance? Et je vous ai expliqué que si on montre les anges, on vous montre les anges, c'est-à-dire tu croises un ange, dans sa nature même, tu vas fuir, tu ne supporteras pas. Parce que les anges sont des êtres bizarres, ils n'ont rien à voir avec l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui portent des formes humanoïdes, comme on a parlé des trônes ou les 24 vieillards, et puis on a parlé aussi des chérubins, qui sur les 4 faces que porte leur tête, il y a une face d'homme, il y a une face de lion, il y a une face d'aigle et il y a une face de vache. Maintenant, laissez-moi vous montrer une chose avant de continuer ce matin. Sur les 4 faces, parce que je vais revenir sur ça dimanche, sur la première triade angélique. Mais vous qui êtes connectés ce matin, vous êtes bénis parce que vous avez, le premier enseignement, vous êtes les premiers à écouter cet enseignement. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Donc, la Bible explique que les chérubins, il y a les chérubins. Quand on parle de la première triade, on a dit qu'il y a trois, les anges sont catégorisés en trois. Et il y en a neuf triades. Et dans mon incipit, dans les enseignements précédents, j'ai expliqué que je ne crois pas que ce soit suffisant. Je pense clairement qu'il existe certainement d'autres familles d'anges dans les cieux que nous ne connaissons pas, parce qu'ils n'ont pas été mentionnés dans la Bible, ou bien d'autres archanges qui n'ont pas été mentionnés dans la Bible. Voilà, on a l'archange Gabriel, on a l'archange Michel, mais ils appartiennent à la troisième triade des anges. C'est-à-dire qu'ils sont, les archanges sont dans la dernière catégorie du classement des anges. Et maintenant, on parle dans la première triade. La première triade, c'est quoi? C'est les anges qui sont au cœur de la communion avec Dieu. C'est ceux qui sont dans la présence de Dieu constamment, c'est les intimes de Dieu. On a les séraphins d'abord, et puis on a les chérubins et on a les trônes. Voilà la première triade angélique. Voilà la
les trois familles d'anges qui sont dans l'intimité de Dieu. Et j'ai expliqué qu'il y a des anges au ciel qui ne voient pas Dieu. Il y a des anges au ciel qui sont éloignés de Dieu, qui ne sont pas dans l'intimité de Dieu. Mais ceux qui sont dans l'intimité de Dieu même, la première classe des familles, la plus grande famille d'anges au ciel, c'est les séraphins. La deuxième plus grande famille, la deuxième plus importante, ce sont les chérubins. Et la troisième, c'est les trônes ou les 24 vieillards. Ce sont ceux qu'on appelle les trônes. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur la formation des chérubins d'abord, qui sont la deuxième classe dans la première triade, la deuxième classe dans la première triade angélique. Donc, les chérubins, la Bible explique que les chérubins, ils ont une tête qui a quatre faces. Sur chacune de ces faces-là, il y a une face d'homme, il y a une face d'aigle, il y a une face de taureau, et il y a une face de taureau et une face de. On a dit quoi? Homme, il y a l'homme, le taureau, l'aigle. Et la troisième, écrivez-moi en commentaire, s'il vous plaît. La troisième fois, parce que ma tête, il y a plein de choses. Donc, quand vous regardez la tête d'un chérubin, on a un côté la face, le visage d'un homme, l'autre côté le visage d'un taureau, de l'aigle et du lion. Voilà, et du lion. S'il vous plaît, en bon les cœurs. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous donner d'abord l'explication. Il y a eu beaucoup d'explications sur ça, des débats théologiques, sur ce que ça signifiait, parce qu'il y a plusieurs courants de pensée. D'autres disent que c'est les quatre évangélistes, d'autres disent que c'est les quatre évangiles, etc. D'autres même vont dire que c'est la représentation de quatre tribus d'Israël dans le désert, parce que les tribus d'Israël, chacune avait une représentation par un animal. Il y en avait qui avaient le lion, d'autres l'homme, d'autres l'aigle, d'autres le taureau, etc. Bon, mais l'explication qui me semble la plus plausible, parce que vous savez qu'en fait, chacun caracole et chevauche autour de cela, on table là-dessus, mais cependant, la Bible ne donne pas une explication, elle ne décrypte pas ce que représentait chacune de ces faces. Mais cependant, les théologiens se battent. Les étudiants de la Bible se battent dans le monde pour essayer d'apporter une certaine explication de ces choses spirituelles-là, pour que le monde chrétien, l'Église, puisse comprendre, en avoir le sens. Et l'Esprit de Dieu nous aide aussi dans la compréhension de ces mystères qui sont cachés. Alors, ce que je pense personnellement, et ça fait partie d'un courant de pensée, c'est que les chérubins, nous avons dit que les chérubins sont les gardiens. Ils sont les gardiens du trône de Dieu. Ils veillent sur le trône de Dieu. Et puis, ils sont les gardiens des intérêts de Dieu, son patrimoine, dans l'univers tout entier. Donc, ce sont les chérubins, en fait. Et ce sont eux qui gardent les enfants de Dieu, les fils du royaume. Et ces quatre têtes-là, les chérubins, sont porteurs d'un symbole fort et puissant, des symboles très forts et puissants. Et je pense même que c'est un symbole ambassadeur. C'est un symbole ambassadeur. Qu'est-ce que ça veut dire? La face du lion, le lion représente le roi des animaux sauvage. Le lion, c'est le roi des animaux sauvages. Toute la création sauvage est représentée par le lion. Et la face qui est représentée par l'aigle, l'aigle, c'est aussi un roi en fait. L'aigle, c'est le roi de toute la junte ailée. Tout ce qui a des ailes, l'aigle en est le roi. Et vous trouverez le taureau. Le taureau, c'est le roi de tous les animaux domestiques. C'est-à-dire les animaux qui sont passés sous l'autorité de l'homme. Et vous verrez l'homme qui est le roi de la création tout entière, car Dieu lui a donné domination sur la création terrestre. Donc, ces quatre faces représentent la création de Dieu en général, toute la création divine, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu sur la terre tout entière, les créatures, les différentes créatures, les familles, c'est-à-dire que les royautés des familles, les royautés, les principautés des créatures terrestres. Et ça montre que les chérubins représentent devant Dieu, portent sa création, l'image de toute la création terrestre de Dieu, c'est-à-dire toute la terre qui adore Dieu. La terre est soumise à Dieu, la terre est dans l'intimité de Dieu, la terre est au cœur même du plan de Dieu, la terre est au cœur même de la présence de Dieu là, dans son royaume céleste. Donc je pense que voilà le symbole, le message que nous passent les quatre visages de la tête de chaque chérubin. Donc c'est très important de le savoir. Maintenant, on a parlé des séraphins. Les séraphins, on a dit que dans la présence de Dieu, les trois familles d'anges qui voient Dieu tel qu'il est, face à face, vis-à-vis, et qui le servent constamment, chaque jour, chaque année, au siècle des siècles, ils sont trois.
On a d'abord les séraphins qui sont la plus haute hiérarchie angélique. Pourquoi? Parce que leur rôle, c'est d'adorer Dieu. Ils entourent le trône de Dieu. Ils sont dessus du trône de Dieu. Ils sont autour du trône de Dieu et ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu au siècle des siècles. Et donc, l'adoration, ça nous montre la place de l'adoration. L'adoration est quelque chose de fondamental qui soutient le trône de Dieu, en fait. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple, la louange de son peuple. En fait, parce qu'il siège déjà au milieu de la louange et l'adoration des séraphins. Les séraphins soutiennent le trône de Dieu par leur adoration. Donc, sans adoration, Dieu ne peut pas vivre. C'est-à-dire, sans adoration, le trône de Dieu n'a pas de soutien. Ce qui soutient le trône de Dieu, c'est l'adoration. Et nous avons dit que les chérubins, ce sont eux qui portent le trône de Dieu sur leur tête. Ils portent le trône. Et les chérubins sont assis sur les roues, les quatre roues. Les chérubins sont assis sur les quatre roues qui forment le char de Dieu, le char qui porte le trône de Dieu. Donc, bibliquement, lorsqu'on parle du trône, on définit le trône de Dieu. Le trône de Dieu est établi sur les chérubins sont établis sur les roues. Et les roues se meuvent partout, c'est-à-dire les roues peuvent se déplacer simultanément de toutes parts. On dit qu'elles se déplacent avec une vitesse tellement rapide qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que même l'éclair n'est pas autant rapide que les roues. Et les roues donc déplacent, ça veut dire que le trône de Dieu n'est pas statique, il est étatique, il est amovible. Le trône de Dieu bouge, son trône bouge, son trône bouge, son trône bouge. Et ce sont les roues. Et ces roues sont un mystère. C'est aussi une famille d'anges. Mais en réalité, les roues, ils sont, c'est comme des roues, comme les roues de char. Et la Bible explique que ces roues, Ézéchiel expliquera, je pense, dans son premier chapitre, à partir du verset 15 à 26 ou 26, il va décrire les roues. Il dira que les roues sont terrifiantes. Que lorsque vous voyez les roues, leur taille est gigantesque. Donc, on peut voir que la circonférence des roues, ça veut dire que le trône de Dieu est tellement élevé. Et quand la Bible dit que le trône de Dieu est élevé, c'est déjà à cause des roues qui en font le socle, qui en forment le char. Et Ézéchiel dira que la taille des roues est tellement élevée. Parmi les trois familles, je pense que la famille des anges, desquels, c'est-à-dire, je pense que c'est Daniel qui va parler des séraphins, ou Ésaïe qui parlera des séraphins directement. Mais il n'y a pas d'autre passage biblique où on définit vraiment comment les séraphins sont. Mais on connaît que les séraphins sont des adorateurs. Donc, les roues qui sont à l'origine du déplacement du trône de Dieu, et vous savez que la Bible explique clairement que chaque chérubin a une roue à côté de lui. Et partout où il va, la roue le suit. Pourquoi? Parce que l'esprit des chérubins est dans la roue. Donc, ces roues-là, c'est comme des roues, comme vous connaissez les roues de char, avec les jantes, avec les moyeux, etc., avec des rayons là-dessus, mais ce sont des êtres vivants et qui représenteraient aussi une famille d'anges. Parce que là encore, il y a un gros débat par rapport à la nature des roues. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les roues sont aussi une catégorie d'anges. Il y en a quatre. Et ils sont comme c'est comme des roues de voiture, si vous voulez. C'est des roues, mais pas comme des roues de voiture, mais comme des roues de char, les chars de feu à l'époque. Donc le trône de Dieu a quatre roues. Et ces roues-là ont des yeux sur tout leur corps. Ont des yeux sur tout leur corps. C'est une forme d'ange aussi. Et puis, les chérubins sont assis sur ces roues qui forment le char de Dieu, qui portent le trône de Dieu. Et les chérubins portent le trône de Dieu. Ils portent le trône de Dieu. Donc, Dieu est assis sur les chérubins sur les roues. Maintenant, tout autour du trône et au-dessus du trône, on a donc les séraphins. Et les séraphins font partie de la première catégorie. Pourquoi? Parce que c'est les adorateurs. Ce sont eux qui adorent Dieu. Saint, saint, saint. Et le Seigneur des armées, tout l'univers est rempli de sa gloire. Vous voyez, il y a une adoration comme ça. Et cette adoration-là, ces paroles sont proclamées par les séraphins. Donc, il faut comprendre donc que dans la première triade, il faut comprendre que les anges, et quand on a déterminé déjà les chérubins, on a dit que les anges ne sont pas, ils ne sont pas comme des hommes, ils ne sont pas comme des humains, en dehors des trônes, des trônes. Et on a vu que les trônes, c'est les 24 vieillards autour du trône de Dieu. Ils sont assis dans le conseil de Dieu. Eux, ils ne portent pas le trône, non, ils ne gardent pas le trône, mais ils adorent. Ils ont des couronnes sur leur tête et ils jettent ces couronnes aux pieds de Dieu. Et ils adorent le Seigneur, ils élèvent le Seigneur dans sa dignité, etc., etc. Et en ce qui concerne les 24 vieillards, j'ai dit aussi que là encore, il y a eu beaucoup de spéculations pour essayer de comprendre qui sont-ils. D'autres ont dit que ce sont des hommes, d'autres ont dit que ce sont des anges. Et moi, je pense que les hommes ne peuvent pas, les hommes ne peuvent pas. C'est-à-dire que pas les hommes, ça ne peut pas être des hommes, c'est des anges, c'est une famille d'anges. Mais qui cependant a un lien étroit avec l'Église.
avec l'humanité, c'est-à-dire avec l'humanité, c'est-à-dire avec les hommes. Pourquoi? Déjà, commençons par quelques pensées, ce que certaines personnes ont pensé des 24 vieillards. Et j'ai eu déjà expliqué cela, et c'est important de revenir là-dessus pour que tu puisses avoir une connaissance là-dessus aussi. Les 24 vieillards, dans les moultes explications qui existent aujourd'hui parmi les érudits, les explications qui me semblent les plus plausibles sont telles que je partage avec vous. Certaines personnes, certains érudits de la Bible, certains biblistes pensent que ces 24 vieillards, en fait, représentent, premièrement, les 12 pères fondateurs de la nation d'Israël, c'est-à-dire les 12 fils de Jacob. Et voilà. Donc, ils pensent qu'il y a les 12 fondateurs de la nation d'Israël, donc les 12 patriarches d'Israël, et plus les 12 fondateurs de l'Église, qui est aussi une nation, mais cette fois-ci, une nation invisible, une nation spirituelle, c'est-à-dire l'Église Ecclesia, Ecclesiae, et qui sont formés par les 12 apôtres. Et donc, on pense que ceux-là pensent que les 12 anciens ou les 12 vieillards sont les 12 patriarches d'Israël, plus les 12 patriarches de l'Église qui entourent le trône de Dieu. Laquelle explication n'est pas toujours, elle n'est pas bête en fait. Elle est intelligente. Elle a un sens, elle a un très grand sens. On peut penser, d'autant plus que Jésus-Christ lui-même dira aux apôtres que chacun d'eux sera assis sur un trône. Donc, il y aura 12 trônes et jugeront les nations. Mais seulement, d'Apocalypse, et Jésus en parlant aux apôtres, n'explique pas la position de ces trônes. Ne dit pas si les trônes seront autour du trône de Dieu, ou si ça sera à côté, ou si ce sera éloigné. Mais dans tous les cas, de Genèse à Apocalypse, vous comprendrez que l'homme est au cœur, au centre même du culte de Dieu dans son royaume céleste. Quand je parle du royaume céleste de Dieu, c'est où il est maintenant dans sa gloire. L'homme est là-bas. L'homme est important là-bas. Nous sommes très importants. Et quand vous cherchez même pourquoi nous sommes importants, vous ne trouvez pas. On ne trouve pas sincèrement. Avec tout le mal qu'on a eu à faire à Dieu, Dieu nous porte tellement à cœur qu'il a envoyé son Fils unique. Voilà pourquoi dans Matthieu 23, il dira au Pater nos engastri exekai ouion, kai kalesusinto onoma autu, Emmanuel o esimetermono, et voici, la Vierge dans son ventre tombera enceinte. Elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui en métonymie signifie Dieu, sous une forme humaine, au milieu de nous. Donc, vous voyez, Dieu lui-même venant sur la terre prend une forme humaine. Au ciel, il y a 24 vieillards qui sont sous une forme humaine. Ils sont comme des hommes. Là, vraiment, c'est des hommes. Ils sont vêtus comme des hommes. Ils ont la face des hommes. Ils ont quatre membres comme un homme. Ils ont un tronc comme un homme. Dans tous les cas, c'est des hommes. Ils sont autour du trône de Dieu. Et la question qu'il faut se poser, donc, c'est l'homme fait quoi autour du trône de Dieu? Qui sont-ils? Et j'ai eu à dire que dans mes réflexions personnelles, dans mes études personnelles, c'est-à-dire complémentaires à mes recherches, je crois que les 24 vieillards, quand on parle des 24 anciens, c'est-à-dire ils sont les plus anciens parmi les créatures célestes de Dieu. Ils sont là depuis longtemps. Ils connaissent les secrets de la création. Là, pourquoi on les appelle les anciens. Archaïs veut dire ancien, ça veut dire très loin dans le temps en grec. Donc, ils sont anciens et puis ils ont quelque chose à voir avec l'humanité. Ils représentent l'homme sur la terre, au ciel. Et que, comme pour dire que, après notre mort, après le grand jugement Béma, le jugement Béma qui est le jugement du grand trône blanc d'Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11, et tous ceux dont le nom ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie furent jetés dans l'étang ardent de feu. C'est ça la seconde mort, l'étang ardent de feu. Alors ça veut dire quoi? La Bible explique que, quand on lit Apocalypse chapitre 20, qu'il y aura un grand jugement, le dernier jugement. Il y aura plusieurs jugements. Vous savez qu'il y aura le millénium ou le millénaire, il y aura aussi la grande tribulation. Mais avant que la grande tribulation n'arrive, il y aura l'enlèvement de l'Église d'abord. Donc ça, nous sommes dans les eschatologies maintenant. Avant que l'enlèvement de l'Église n'ait lieu, avant que la grande tribulation n'arrive, qui sera le relâchement de l'Antéchrist, dont le règne durera 7 ans, divisé en deux, une moitié de 3 ans et demi, où l'Antéchrist sera comme un gouvernant très bien, tout le monde va l'aimer, parce qu'il cachera son visage au monde. Et nous pensons qu'il s'agira d'un président uni. Pour l'humanité tout entière. Selon Apocalypse, selon les prophéties apocalyptiques et eschatologiques, tout nous mène à croire que avant la fin, c'est-à-dire qu'avant la grande tribulation, ce qui va faire aboutir à la grande tribulation, ce sera un gouvernement uni mondial. C'est-à-dire que la terre tout entière sera gouvernée par un seul homme, un seul président. Alors, à partir de ce moment, le sous-entendu, c'est que les présidents d'autres nations deviendront des gouverneurs de province. Alors, il y aura un seul président ou un seul roi, un seul dominateur dans tous les cas. Et ce sera l'Antéchrist.
Et ce dominateur viendra comme un homme de paix pendant 3 ans et demi. Il apportera la paix, son gouvernement sera rempli de signes, de prodiges, etc. Mais après 3 ans et demi, le deuxième mandat de l'Antéchrist, ça sera la terreur. Son visage sortira donc. Et tous les chrétiens qui n'ont pas été sérieux avant l'enlèvement, à ce moment-là, paieront leur salut par leur propre souffrance. Maintenant, il faut comprendre que avant que l'Antéchrist ne soit relâché, l'Église doit d'abord être enlevée. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement et la résurrection des morts. Parce que l'enlèvement et la résurrection des morts auront lieu en même temps. L'enlèvement, c'est pour les vivants. La résurrection des morts, c'est pour ceux qui seront morts. Donc, la mer rendra ses morts. Partout où les croyants ou les enfants de Dieu sont morts, ils retourneront au ciel. Ils vont rencontrer Christ sur les nuées. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit « Ego emi he anastasis kai to hezoe » Je suis la résurrection, je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il était mort, il reviendra à la vie. Donc, en ce temps-là, avant que l'Antéchrist n'arrive, juste avant, le Saint-Esprit enlèvera l'Église. Les vivants seront changés en corps céleste. Nous porterons des corps célestes. Et nous rencontrerons Christ dans les nuées. Et nos bien-aimés qui sont morts, parce qu'ils sont morts avant nous, eux, ils auront l'honneur d'abord de ressusciter. Tous les morts vont quitter de partout où ils sont. Leur esprit revêtiront des corps célestes. Ils seront comme des anges et ils monteront trouver Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, dans les nuées. Et nous, les vivants, si nous sommes encore vivants en ce moment-là, alors nous serons aussi transportés. Nous allons quitter ce corps charnel pour revêtir la gloire éternelle des corps célestes et nous allons rencontrer Christ dans les airs. Et en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Christ prendra son Église et il va l'amener avec lui au ciel. Et entre-temps, sur la terre, la grande tribulation aura lieu parce que l'Antéchrist qui est enchaîné actuellement selon l'évangile de Jude sera libéré. Il sera libéré pour faire souffrir la terre tout entière. Il y aura une souffrance telle qu'on n'en a jamais vue sur la terre. Il y aura une horreur telle qu'on n'en a jamais vue. Un déchaînement de péché. Ce que vous voyez comme péché aujourd'hui, c'est zéro par rapport aux 7 années que l'Antéchrist aura à régner sur la terre. En ce moment-là, tous les enfants de Dieu qui auront raté l'enlèvement, qui seront vivants à cette époque, vont passer par de grandes tribulations. Tu seras obligé d'avoir le signe 666. Et c'est là que le signe 666 va intervenir pendant cette grande tribulation. Et on a dit, Jésus explique à Jean, quand il dit, Egenomen en pneumatiente kuria ke emerai piso, ekuso piso mufone megale, hosalpigos. Et je fus transporté par le Seigneur jusqu'au jour, par l'Esprit jusqu'au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme celle d'une trompette. Et l'apôtre Jean va donc voir le signe 666, qui est la marque de la bête, de l'Antéchrist. Et l'ange qui lui montrera cela lui dira que c'est un signe d'homme. C'est un signe d'homme. Et il faut comprendre, il faut déchiffrer. Et il dit que celui qui a l'intelligence comprenne. Or, maintenant, nous connaissons ce que le 666 signifie. Alors, le 666, c'est quoi? Le 666, d'abord, il faut comprendre que c'est 3 chiffres. C'est 3 chiffres. C'est 6 et 6 et 6. Et vous comprendrez aussi que le signe de Dieu, c'est quoi? Le chiffre de Dieu, c'est quoi? C'est 7, 7, 7. Donc, le chiffre de Satan, c'est 6, 6, 6. Tandis que le chiffre, le nombre de Dieu, c'est 7, 7, 7. Et le nombre de Satan, c'est 666. Le nombre de Dieu, c'est 777. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? Oui, c'est le grec. Pour ceux qui demandent, c'est le grec. Oui, c'est le grec. Comme entendez parler une certaine langue là, ego emi anastasikato ezoe. Option emet. Ça c'est le grec en fait, parce que vous savez, le Nouveau Testament écrit en grec et l'Ancien Testament en hébreu, avec quelques bribes d'araméen. Donc le 777, c'est le chiffre de Dieu. 7, c'est la perfection. 7, c'est la perfection. Et 7, c'est la perfection. Donc ça veut dire que Dieu est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Il est 3 fois parfait. Et c'est aussi le chiffre de la Trinité. Voilà, le Père est parfait. Est 7 fois parfait, le Fils est 7 fois parfait, le Saint-Esprit est 7 fois parfait. Donc, 5, 5, 5. Et l'Éternel, c'est le 7, 7, 7. Tandis que, et le 7, c'est la perfection en réalité. Parce que Dieu a créé le monde. Le 7e jour, l'œuvre, la création a été parfaite et Dieu s'est reposé. Tout était parfait. Mais, le 6, 6, 6, 666, c'est quoi? Dans les 7 jours de la création qui marque le 7e jour, qui marque la perfection et l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu, si dans les 6 jours, c'est-à-dire dans les 7 jours, on enlève un jour, la création de Dieu devient imparfaite. Donc le 6, 6, 6, c'est l'imperfection, c'est la destruction de l'œuvre de Dieu. C'est la destruction, c'est l'imperfection, c'est le péché. Dans tous les cas, c'est la souillure, c'est la destruction. Doomday. Vous voyez. Donc, c'est l'iniquité, c'est l'injustice, c'est tout ce qu'il y a de mal. C'est le mal incarné, c'est le mauvais.
C'est l'inachevé. C'est la destruction de l'œuvre de Dieu. C'est l'opposition à la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi on dit que le 666, c'est 7 moins 1 qui donne 6. C'est-à-dire c'est la destruction de l'œuvre de Dieu. C'est l'imperfection. Si le 7 est la perfection, le 6 est l'imperfection. Si le 7 est l'accomplissement, le 6 est l'inachevé. Ouais. Donc, voilà un peu, le 666, c'est la marque de la destruction, la bête, Satan, la destruction, le destructeur de l'œuvre de Dieu, l'imperfection, le péché, la souillure, l'iniquité, etc., etc., la dépravation des mœurs, tout ça. C'est ça le 666 face au 777. Alors maintenant, l'antéchrist sera donc libéré et puis il va faire souffrir les gens. Mais entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur Jésus-Christ va préparer l'épouse qui est son Église. Il la préparera. Je suis en train de parler de l'importance de l'homme, de l'humanité dans le culte céleste, dans la présence de Dieu. Et donc l'Église sera préparée pendant les 7 ans où la terre subira la grande persécution, la grande tribulation. Jésus-Christ sera en train de sanctifier son Église. Voilà pourquoi la Bible dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Ce jugement n'est pas un jugement de condamnation parce qu'en fait il s'agit de l'Église. La Bible dira, Romains 8 dira quoi? Maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, nous qui sommes sauvés, qui serons enlevés, nous serons jugés. C'est par nous que le jugement commencera. Le jugement commencera par la maison de Dieu. Mais ce jugement n'est pas un jugement de condamnation. Non, c'est un jugement de récompense. Et un jugement d'ordonnancement. Hein? Dieu va ordonner, ordonnancer son Église. Il va catégoriser l'Église. De même que dans les familles angéliques célestes, il y a des cœurs, il y a des triades, des cœurs, il y a des anges proches de Dieu, d'autres qui ne sont pas proches de Dieu. C'est la même chose qui arrivera avec l'Église. Nous n'aurons pas la même catégorie là-bas, on n'aura pas la même dignité au ciel. Non, non. Ta justice déterminera ta place, ta position, dans quel quartier tu seras au ciel. Voilà pourquoi Jésus lui-même va dire que celui d'entre vous, hein, il dit celui qui enseignera à faire la volonté de mon Père céleste et qui mettra en pratique lui-même les commandements d'un Père céleste sera appelé grand au ciel. Donc, le sous-entendu, c'est quoi? Ça dit qu'un analepse, un raisonnement par analepse ou à contrario, ou un raisonnement analogique, vous fera comprendre qu'il y aura donc des petits au ciel. Ah, il dit, il sera appelé grand au ciel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des petits au ciel. Donc, on n'occupera pas les mêmes positions au ciel, mes amis. La justice que tu auras menée, ta manière de servir Dieu sur la terre, les sacrifices que tu auras fait pour Dieu sur la terre, les souffrances que tu auras endurées pour Dieu sur la terre, les persécutions, les difficultés, les blessures que tu vas supporter pour Dieu. Dans tous les cas, le genre de sacrifice que tu endureras pour Dieu, que tu feras pour Dieu sur la terre va déterminer ta place au ciel. Donc tous les enfants de Dieu ne verront pas Dieu en fait au ciel. On ne sera pas trop proche de Dieu, on ne sera pas tous dans l'intimité de Dieu. Il y en a qui seront plus proches que d'autres. Donc, et pour illustrer ça par une connaissance humaine, il y a des gens qui seront dans des quartiers huppés au ciel. Il y a des enfants de Dieu qui seront dans des quartiers huppés. D'autres aussi seront dans les Elobi. D'autres seront à Tinga Elobi au ciel. C'est-à-dire que dans des quartiers un peu boueux. Ce n'est pas qu'il y a la boue là-bas, c'est une façon de parler pour que les gens puissent comprendre. Donc ça veut dire quoi? Tu dois mettre du comble à ta justice, à ta vie de sanctification, ta vie de sainteté. Mon ami, ne regarde pas aux hommes. Ne vois pas que tel pêche, ne vois pas que tel mène une mauvaise vie. Moi, si je peux mener une mauvaise vie, Dieu est tolérant. Non, non, non. Ne suis pas les gens. Ne suis pas les gens dans leur égarement, dans ta génération. Le salut est individuel. Jésus-Christ est mort pour toi, pas pour toi et ton père, pour toi et ta mère. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus lui-même dira, de deux qui seront couchés dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu es marié à une femme, tu es marié à un homme, au jour de l'enlèvement, si l'homme menait une vie en secret, avec double vie, Jésus va enlever la femme. Hein? Si la femme était sincère, partait à l'église. Même pour nous qui sommes les hommes de Dieu, tu peux avoir ta femme, elle croit en ton Dieu plus que toi-même. Ton épouse peut croire en ton évangile plus que toi-même. Toi, en tant qu'homme de Dieu, tu n'es pas sérieux. Tu ne crains pas Dieu. Tu presses, mais tu ne mets pas en pratique. Mais ta femme vient, elle croit en ton Dieu, elle se sanctifie, elle craint Dieu, elle fuit la débauche. Elle fuit l'infidélité, elle est fidèle dans le mari, toi tu es infidèle. Au jour de l'enlèvement, ta femme ira au ciel, toi tu vas aller en enfer. Donc ça montre combien c'est sérieux la vie que nous menons sur la terre. Donc le genre de justice que tu mènes sur la terre, la vie de justice que tu mènes sur la terre va déterminer ta position au ciel. Et donc le jugement qu'il y aura au ciel sera le jugement de la hiérarchisation de son église. Jésus-Christ mettra l'ordre dans son église. Donc il y aura des gens qui vont recevoir des couronnes. Donc, vous recevez des couronnes. Voilà pourquoi, même Paul dira que dans une maison, on ne trouve pas les mêmes vases.
Les vases même diffèrent entre eux. Il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases d'airain, il y a des vases de terre. Ouais. Donc c'est la même chose. Et ça, l'apôtre Paul était en train de faire une préfiguration de la catégorisation de l'Église dans le ciel. De même que les anges dans le ciel sont catégorisés, ainsi aussi au ciel, ils seront catégorisés. Donc, la question que je vais te poser, quel sera le quartier dans lequel tu habiteras au ciel? Tu seras Bastos, dans un quartier huppé, ou dans un quartier où il n'y a pas de lumière, où il y a des coupures et de délestage constant, c'est une façon de parler, il n'y aura pas de délestage au ciel. C'est une manière de parler parce que mon souci, c'est que tout le monde puisse comprendre. Et si tu seras dans un quartier où il y aura des coupures d'eau de temps en temps, il y aura des coupures d'électricité de temps en temps, ou dans un quartier où on ne coupe jamais l'électricité, l'eau est à flot, dans tous les cas, tout est bien là-bas, tout est beau là-bas. Si tu veux aller dans le quartier huppé au ciel, sanctifie-toi davantage, mets du comble à ton amour pour Dieu, mets du comble à ton sacrifice pour ta foi, distingue-toi dans ta génération, Dieu te distinguera aussi là-bas. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux et devant ses saints anges. Mais celui qui me réunira sur la terre parmi les hommes, moi aussi je le réunirai. Mais si tu as honte de Jésus aujourd'hui, sache qu'après ta mort, Jésus aura aussi honte de toi. Si tu ne peux pas honorer Dieu aujourd'hui, sache qu'après ta mort, il ne t'honorera pas aussi. Mais si tu supportes les railleries, les sarcasmes, la risée, les moqueries, les injures, dans ta famille, on se moque de toi parce que tu es né de nouveau. Et tu ne te décourages pas malgré cela. On se moque de toi parce que tu vas à l'église. On te dit que depuis que tu vas dans l'église, là, rien n'a changé pour toi. Mais tu ne vas pas à l'église pour que quelque chose change automatiquement dans ta situation financière ou maritale, je ne sais pas trop quoi sur la terre. Tu pars à l'église pour préparer ton éternité. La plus grande récompense, malheureusement, qui est invisible, c'est que ton nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Ça, ta famille ne le voit pas. Parfois, on attend des preuves physiques et qui sont en réalité, qui peuvent faire partie des récompenses que Dieu donne aux croyants sur la terre. Mais chaque croyant, avant la couronne, passe par les épines d'abord. Il porte d'abord la couronne d'épines pour porter la couronne d'or et la couronne de gloire. Voilà pourquoi la Bible dira, si nous régnons, si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Mais il faut d'abord persévérer. Persévérer, c'est souffrir, c'est endurer. Les moqueries, etc. Et après cela, alors vient le règne. Il n'y a pas de règne sans souffrance, il n'y a pas de règne sans persécution. Donc, c'est pour dire que Jésus-Christ va ordonnancer son Église au ciel. Et nous occuperons une place très, très importante. Et dans la Nouvelle Jérusalem, les 12 portes, la Nouvelle Jérusalem, porteront les noms des 12 tribus d'Israël, les noms des apôtres, les fondements, les noms des 12 tribus, je pense, et les portes, les noms des apôtres, pour montrer l'importance de l'homme dans le cœur de Dieu, là-bas, dans les cœurs angéliques. Nous avons une place qui nous attend déjà. Voilà pourquoi nous avons une représentation puissante au ciel, les 24 anciens, les 24 vieillards. Lorsqu'on parle d'archaïs, vieillards ici, ce n'est pas des vieux rabougris comme ça avec des visages ratatinés. Non, il s'agit de la sagesse, il s'agit de la connaissance, il s'agit de la science. Lorsqu'on parle d'archaïs, archaïas, c'est la science, la sagesse, etc., etc. Donc, bien-aimés, au ciel, donc, il faut comprendre qu'il y a ces trois familles d'anges qui sont dans l'intimité de Dieu, qui voient Dieu. Qui voient Dieu et c'est du feu. Ils sont formés de feu. Ils sont brûlants, ils sont ardents. Voilà les séraphins, hein? Séraphin, Séraphim, c'est le feu en fait. Séraphim, c'est le feu. C'est le feu. Séraphim, c'est le feu. Et Chérouvim, c'est la sagesse, c'est la connaissance et c'est la science. Donc, tout ça dans un mélange de feu, de soufre, d'éclair, redoutable, quelque chose de puissant, quelque chose de fort, quelque chose qu'on ne peut pas supporter, qu'un être humain ne peut pas supporter. Voilà ce que c'est que la gloire de Dieu en ce qui concerne la première triade angélique. Maintenant, je vais finir avec ceci. Comment faire pour parler avec ton ange, l'ange de ta destinée? Il faut que tu sois déjà conscient, que tu sois conscient que tu as un ange. Il faut d'abord savoir que tu as un ange. Et il te faut une hypersensibilité spirituelle. Et l'hypersensibilité spirituelle, on la trouve comment? C'est la question que quelqu'un va me poser ce matin. Comment faire pour avoir l'hypersensibilité spirituelle? Parce que tant que ton esprit n'est pas éveillé, tu ne peux pas communiquer avec des anges, parce que c'est des esprits en fait. Et j'ai dit que ces anges qui te gardent, en réalité, quand vous voyez les chérubins, ils sont formés de pattes, deux pattes de veau. Ils ont des sabots, ils ont des pattes de veau, de taureau si vous voulez. Et Ézéchiel les appelle les animaux. Ils ressemblent à des animaux, mais c'est des bipèdes. Ils ont des pattes d'homme, des pattes de taureau, avec des sabots. Ils ont quatre ailes, tandis que les séraphins en ont six.
Ils ont des têtes qui ont quatre visages. Donc, vous voyez que c'est des êtres un peu bizarres en fait. Ils sont très bizarres. Le prophète Ézéchiel les appelle des animaux. Et c'est avec eux que tu dois communiquer. Donc maintenant, il faut l'hypersensibilité spirituelle pour être capable de ressentir la présence de son ange. Ou bien écouter que l'ange est en train de te parler. Il faut l'hypersensibilité spirituelle. Mais où trouver l'hypersensibilité spirituelle donc? C'est dans la prière, une constance dans la prière. Il faut prier de façon constante parce que la prière aiguise ton esprit et rend ton esprit sensible à l'esprit de Dieu. Ça, c'est la première chose. La prière, constamment dans la prière, constamment versé dans la prière. La deuxième chose, la sanctification, la consécration. Il faut être consacré à Dieu. Il faut fuir le péché comme on fuit une peste. Fuir le péché comme on fuit le serpent. Il faut se sanctifier, il ne faut pas se mêler à la mauvaise vie de sa génération. La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous. Ne touchez point à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Sortez du milieu d'eux. Il faut sortir du milieu de toute forme de souillure. Parce que ton ange, en réalité, vit dans la sainteté. Il faut que ta maison soit sainte. Ta maison doit être sanctifiée. Ton corps doit être sanctifié. Ta vie doit être sainte. Il est important que tu sois saint. Il est important que tu mènes une vie de sanctification, que tous les jours, tu sois en quête de sanctification, de sainteté et de consécration. Donc, il faut l'hypersensibilité spirituelle. Et cette hypersensibilité vient donc de la prière constante et de la sanctification, la quête constante de la sanctification d'une vie, d'une propriété spirituelle. En fait, la sanctification, c'est quoi? C'est la propriété spirituelle. De même que quand tu es sale, tu pars à la douche, tu te laves, et ton habit est sale, tu laves ton habit. De même, spirituellement, la sanctification, c'est la quête permanente de la propriété spirituelle. Ça veut dire on dit que tu es propre, tu te laves spirituellement. Voilà pourquoi Jésus dira, heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir pas à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc, j'ai la responsabilité de laver ma robe. Et si Jésus parle de laver la robe, c'est qu'il est conscient que nos robes peuvent se salir. Il le sait, ta robe peut se salir. Donc parfois tu peux trouver une tache sur ta robe spirituelle, qui est ta vie en réalité, ta relation avec Dieu, c'est ça la robe. Tu peux voir une tache là, et il faut laver, il dit heureux ceux qui lavent, quand ils voient la tache, ils lavent. Tu peux découvrir là qu'il y a encore l'impudicité dans ta vie, tu laves. Parfois tu peux voir que c'est la convoitise, et tu laves. Parfois tu peux voir que c'est le mensonge, et tu laves. Parfois tu peux trouver que, je ne sais pas, c'est le vol, tu laves. Ça s'appelle les boîtes de nuit, tu laves, ça s'appelle l'alcoolisme. Et tu laves, dans tous les cas, heureux ceux qui découvrent leurs fautes, leurs péchés, leurs faiblesses et qui luttent contre ces faiblesses pour sortir de l'étreinte de ces faiblesses-là. Donc, bien aimé, il faut l'hypersensibilité spirituelle. Et la troisième chose que tu dois faire, tu dois être une personne versée dans les saintes écritures. Tu dois sonder les écritures pour avoir la connaissance. Cette connaissance te permettra de ressentir ton ange, etc. Donc, moi, je ressens mes anges. Je les ressens, je les vois de temps en temps. Je ne les vois pas constamment. Il y a des moments où je les ressens. Et surtout quand il y a un besoin fort spirituel, je ressens des choses mauvaises. Quand il y a des complots autour de moi, ils me tiennent informé, ils me disent « méfie-toi », etc. Il y a des choses que je ne peux pas dire en direct. Ça relève de l'intimité spirituelle et prophétique. Donc, ces anges-là, ils sont là pour toi. Ils sont là pour toi, mon ami. Ils ont été mis pour toi. Ils doivent te garder, ils doivent te servir, ils doivent t'accompagner, ils doivent veiller sur toi. Donc, fais ces trois choses que je t'ai dites et demande à Dieu de te révéler ton ange. Dis-lui que tu veux entrer en contact avec ton ange. Dis que ton ange te fasse un signe et il pourra te faire un signe. Il peut t'apparaître physiquement, il peut t'apparaître dans un songe où tu peux ressentir sa présence. Tu peux parler avec lui sans le voir, mais tu le ressens spirituellement. Tu le ressens. Donc, que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Les habitants de Douala, rendez-vous tout à l'heure à Pâques. Hein? C'est tout à l'heure? Non. Vendredi. On est jeudi. Donc, ce vendredi, à partir de 21h, nous sommes en Dogbon, derrière l'immeuble Camelet à Douala. S'il vous plaît, ne manquez pas à la grande nuit des flammes qui aura la partie 21h. Dieu se manifestera. Je vais dire à tous mes bien-aimés qui me suivent sur ma page, connectez-vous ce vendredi à partir de 21h. Ne dors pas. Dieu a quelque chose pour toi. Sois connecté. Et dimanche, 7h30, sois connecté déjà à ma page pour le grand culte de restauration de famille, de brisement des limites à Douala. Nous sommes là déjà ce vendredi à partir de 21h à Yaoundé dimanche à partir de 7h30 et à Bertois 7h30 à ancienne SCT au quartier Mokolo 1. Et puis il y aura beaucoup d'autres choses qui se passeront dans toutes nos églises au Cameroun et en Afrique et en Europe aussi.
Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le mois du brisement des limites, brisement des limites, brisement des limites. Que toute limitation dans ta vie soit brisée, que tes anges entrent en activité pour te délivrer des liens spirituels dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Dans ta vie sentimentale, dans ta carrière, ton mariage, je parle de 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 ton mariage et je reparle de ton mariage. Toute personne mariée qui a des problèmes, qui a des problèmes spirituels dans son mariage, des attaques, la discorde, etc. Que Dieu restaure ton mariage au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. I love you. Que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus. Je te retrouve demain dès qu'il sera 10h pour une autre édition. Ma prière, c'est que les anges te parlent. J'avais promis de prier pour que les anges vous apparaissent. Je pense qu'on va le faire demain. On aura cette activité demain, cette démonstration demain, et Dieu m'aidera à tenir à cette promesse. Donc demain, 10h, on va prier pour que l'ange, les anges se manifestent dans les maisons partout. Si tu es au bureau, tu fermes ton bureau. À la maison, tu t'enfermes. Et je veux prier avec toi. L'ange du Seigneur va se manifester dans ta maison. Et tu vas appeler pour me dire ce qui s'est passé chez toi là-bas. Quand nous prions, Dieu nous exauce. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.